Alexander Zverev, finaliste à Roland-Garros. Il est diabétique de type 1 et c'est bien la preuve qu'on peut tout faire avec un DT1. Léon, lui, n'est pas encore tout à fait prêt pour Roland-Garros, mais il y pense. Le professeur a vérifié qu'il n'était ni en hypo, ni en très forte hyperglycémie avec cétose. Dans ce cas, pas de sport, et il se référera au PAI. Comme tout va bien, Léon peut s'entraîner avec sa classe. Il fait de la gym, il nage et il joue au foot. Il est super fort et il adore. Quand il va à la piscine, il faut qu'il débranche le cathéter qui le relie à sa pompe à insuline. Une pompe, c'est comme un téléphone. Allô ? C'est plein d'informatique et ça n'aime pas l'eau. Il se rebranchera la natation finie. Regardons de plus près ce qui se passe quand on fait de l'exercice. Les muscles ont besoin de plus d'énergie et ils consomment plus de glucose. Avec l'effort, le sang circule plus vite. L'insuline injectée, qui permet au glucose de passer dans les muscles, est plus active. Et du coup, la glycémie sanguine va avoir tendance à baisser. Et c'est l'hypo. On peut anticiper cette baisse avant l'effort, soit en diminuant la dose d'insuline en réglant la pompe en mode sport, soit en prenant une collation, même si la glycémie est normale. Et de toute façon, garder des sucres ou un jus de fruits à proximité. Il faut aussi penser à vérifier la glycémie quelques temps après l'activité sportive. Parce qu'après l'effort, les muscles vont reconstituer leurs réserves en glucose et cela peut provoquer une hypoglycémie tardive. Moyennant ces précautions, Léon peut pratiquer tous les sports. En attendant, c'est le foot qu'il préfère. Bravo Léon !